qui était entré. Le départ est imminent. Départ de la Air Mauritius Maiden Cup, 2400 mètres à parcourir, avec Vettel qui a l'avantage sur Love Struck, Skippy John Jones dans leur sillage. Ensuite Everest, Damon Light, Bulsara, l'arrière, One Cool Dude et Ice Axe. Oh oui, donc l'avantage pour Vettel comme attendu, qui va lancer cette épreuve devant One Cool Dude. Skippy John Jones est bien placé en troisième position, Everest dans sa foulée. Puis on retrouve Damon Light tout juste derrière Bulsara, et à l'arrière-garde du peloton, on retrouve One Cool Dude et Ice Axe. Aux abords de la rue du gouvernement, une première fois avec Vettel et Kevin Gonawa. Une longueur d'avance sur Love Struck, bien en main en deuxième position sous la montre de Mark Majors. Ensuite, à deux, trois longueurs, il y a Skippy John Jones, le gris Everest en quatrième position, suivi de Diamond Light, Bulsara, One Cool Dude, Ice Axe, les finisseurs en queue du peloton pour l'instant. Oui, les chevaux donc vont passer devant nous pour la première fois avec Vettel, Kevin Gonawa, Géa pour l'instant très bien. Love Struck reste bien dans son sillage. Ensuite, on retrouve Skippy John Jones, bien retenu également. Everest, Diamond Light, Bulsara, retenu par Jeannot Bardottier. One Pool Jude qui précède Ice Axe, toujours en queue de peloton. Au tombeau Malartic, Vettel qui a toujours le meilleur sur Love Struck, qui jusqu'ici laisse une plaisante impression. Love Struck. Ensuite, à 4-5 longueurs même, on retrouve Skippy John Jones, Everest, le gris en quatrième position, suivi de Damon Light, Bulsara. Et puis l'écart qui s'est creusé entre Bulsara et One Cool Dude, Ice Axe, en queue du peloton. Les choses vont s'animer maintenant, Rajiv, avec Vettel, Love Struck, Skippy John Jones est dans l'obligation de se rapprocher, tout comme Everest, Diamond Light. Regardez Jeannot Bardottier également sollicite Bulsara. Derrière, One Cool Jude et Isaac auront des difficultés probablement à revenir. À la rue du gouvernement, les choses s'animent avec Vettel toujours en tête devant Love Struck, Skippy John Jones. Everest va se rapprocher. Diamond Light est lancé, prend le fortune sur Bulsara. À l'arrière, on tente s'amener avec One Cool Jude, également Ice Axe. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale avec Vettel qui a l'avantage sur tout le peloton. Love Struck arrive à l'extérieur. Derrière, Skippy John Jones et Bulsara vont tenter de terminer fort. Mais toujours Vettel, Love Struck. Vettel a toujours l'avantage face à Love Struck. Vettel va remporter le Médel de bout en bout devant Love Struck, Bulsara et Skippy John Jones. Kevin Gonawa qui me fait penser ici à Vishan Venkaya qui avait gagné sur Guingana. Et les autres se sont fait piéger à l'arrière. Comment ça s'est passé? Exactement comme vous l'aviez prévu.
Oui, je dois dire avec beaucoup de modestie, depuis des jours, je suis en train de dire à tout le monde que Vettel a changé. Je l'avais dit, que Vettel a changé, mais il fallait tout simplement bien doser le pas. Kevin a monté une excellente course, très très content, très sagrin pour Bardetier et Boulsara. Je pensais remporter au moins 4 classiques avec lui, mais c'est pas it's not written. Sean, tout ce que je peux te dire, que je suis très très fier de l'équipe qui m'entoure, de mes défis, bien sûr, Gopal et Mukund, Bardi, Nares, Subhas, tu as Anil, le docteur Alec Noël, sans qui je ne peux pas opérer, je te dis le franchement, il est non seulement un ami de la famille, il est notre vétérinaire, notre concilier, tout. On le consulte pour tout. Alors, pour faire honneur au vétérinaire, Vettel a gagné, V comme victoire. Je ne suis pas autorisé à me servir de mon portable, de mettre mon secrétaire. Alors, on va découvrir quelque chose que Sean Galluda va nous montrer. Vettel a remporté cette course. On attendait Boulsara, mais Vettel a fait une course magnifique. Le train posé par son jockey Kevin Ganoa a été superbe et le cheval a tenu jusqu'au bout. Can it be Vettel? Oui, oui. Voilà, on parle des courses mauriciennes, je vous disais tout à l'heure qu'on parle des courses mauriciennes partout, hein, même en Hollande. En tout cas, félicitations Sean pour cette victoire de Vettel et j'espère que la série va continuer. Congratulations, come, come, we have a few words. I'm very, very happy because of my family, actually, you know, the whole family, both my friends and my support, and even my grandkids. Je ne peux rien faire. Congratulations. Okay. Well, we have just watched a fantastic win of Kevin Ganoa on board the Vettel, who won this race on his third participation. Kevin, how was it? It was amazing. Very, very amazing. I'm really proud to sit in the Maiden Cup for the first time and I win the race. The horse traveled magnificently under me just to judge the pace. And I kick on from 400 home. I thought it was a long way to get to the horse, yeah, because it was just striding on. But he did it very easy, and I'm very proud for the horse and myself. So the pace was very slow, and this is what you were told to do. I was just a galloping horse, yeah. You can't go too fast, you can't go too slow. I learned that from England. I rode over 3,200 meters even. I won over that. But I just rode him very relaxed, long rein, and just let the horse to enjoy his race himself, you know. When did you know that the race was won? From the 600 meters. After there was nobody going to hold me here. But you had a look behind you, isn't it? Yeah, the horse was at one place. Even we have another 200 meters. Well, this is a galloping horse, you know. I said that you had a look to see where Love Struck was. I don't even bother with anyone in the race, because I know the pace he was going. Yeah, I thought it would be very hard for another horse to follow him. So two wins in two rides for Gajuda Stable. On board the training captain and Vettel, and this one surely will be the one that you love the most, isn't it? Both horses, I love both races, the fifth and the sixth race. To ride for Mr. Sven Gajeda, yeah, I thank him a lot to trust me to put me on those both horses, and it paid off today. Quite lucky to get these two rides, isn't it? Yeah, very lucky. I had to sweat a lot to do 53 kg on training captain, and it paid off. So it gives you a little boost up? Well, yeah, it really helped me, helped my head and everything. And my family, I really thank them a lot. And my daughter, Kayana, and my son, Kayan, and my wife, Annie, my mom and dad, my brother, and all the family behind me, I thank them a lot. Kevin, thank you very much. En tout cas, moi, j'ai terminé ici. Voilà Vettel pour la parade. Merci Sean. Vettel qui va se rendre en piste, qui offre le maiden à Kevin Ganoa, qui a bien dicté le pas de son cheval. Vettel qui donc remporte la Herman Richesse Maiden Cup
Ce cheval l'a importé initialement pour remporter le Méden. D'ailleurs, il était favori dans le passé du Méden, Vettel, mais à sa troisième année chez nous, c'est là que finalement la roue a fini par tourner pour ce coursier d'écurie Gadjudar. L'écurie Gadjudar qui s'était signalé avec le gris en 2011, c'est Nova Sacce. Ouais, c'est Nova Sacce. Et là, Radib, donc venu avec une mission spéciale pour remporter le Méden. Il, Kevin Gonoa réussit là où Johan Victoire et puis Cédric Ségéron ont échoué avec Vettel, mais il n'avait pas démérité Vettel, il avait à chaque fois terminé sur le podium Vettel, et là cet après-midi, eh bien, il était sous son meilleur jour Vettel pour la parade traditionnelle du vainqueur du Méden après la course Vettel, une course rondement menée du début jusqu'à...